Pendant l'euro, il y a des carrés, je me suis dit à moi-même, si Karim revient, tu les justifies, son retour crée un déséquilibre tactique et dans notre jeu, ce n'était pas de sa faute, mais c'est douloureux, évidemment. Mais c'était douloureusement évident. Nous avons perdu notre force collective, son déséquilibre soudain a perdu bonne équipe. C'est vrai que tactiquement, ça a changé, on a changé par rapport à la Coupe du Monde et ce n'était pas facile de s'adapter car ils n'ont pas eu. Car on ne jouait pas de la même façon, nous aurions eu besoin de temps pour progresser avec lui avant l'euro. Je pense d'ailleurs que ça s'est vu en Ligue des Nations, l'équipe s'est améliorée et ça se passe bien. Pour l'équipe de France, qu'en pensez-vous? Pour moi, il fait un constat lucide. Deschamps a fait n'importe quoi. Il aurait dû le rappeler bien avant. Mais et quant à sa relation avec Benzema, s'est monté de toutes pièces par les médias. Moi, pour moi, Giroud et Benzema ne se sont jamais fait la gueule. Et les supporters ont confondu la secteur avec Benzema pour soutenir. On profitait de la secteur pour soutenir Giroud au profit de Benzema. Moi-même y compris, car à l'époque je ne l'aimais pas, mais on se rend compte que c'est un bon joueur et que c'est grâce à lui que Ronaldo a gagné ses ballons d'or et qu'il se met à la disposition de l'effectif, même si pour moi à l'époque il n'était pas bon. Avec l'équipe de France, Deschamps aurait dû le reprendre pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde et pas pour l'Euro, ou alors rappeler Benzema et Babouina en même temps. Ou alors peut-être Benzema et rappeler car Deschamps sait que le jugement de Benzema Il n'est pas coupable, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, et aussi pour la politique, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires, envers Macron pour les présidentielles. Quant à Benjamin, il n'a jamais foutu le bordel dans le groupe et Deschamps l'avait toujours soutenu malgré ses 1300 et quelques minutes sans but, sans. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.